Pollution, sécheresse, feux de forêt, c'est toute une histoire d'environnement abordée sous plusieurs angles pour cette fête de clôture du centre de loisirs. Pour sensibiliser ces jeunes, les agents ainsi que la responsable du centre ont mis en place des activités ludiques qui semblent porter ses fruits. Tendez l'oreille pour la leçon. Dites-moi, pollution, depuis que tu es là, tu n'arrêtes pas de polluer notre environnement. Qui êtes-vous pour me contredire ? Nous sommes la nouvelle génération, nous t'empêcherons et nous lutterons pour survivre. On a compris qu'il ne faut pas jeter des déchets, il ne faut pas polluer la terre, c'est pas bon. Ici, spécialement à Kawini, il y a beaucoup de pollution et on essaie de sensibiliser les gens pour qu'ils commencent à faire le tri ou à jeter les objets dans la poubelle. Cette leçon n'est pas seulement à réciter par cœur, c'est aussi une manière de vivre que les jeunes ont adoptée. Ça reste quand même un travail de longue haleine. Pendant les 4 semaines, on a beaucoup travaillé avec ces jeunes dans des différentes activités comme vous voyez et ce qu'on a fait ici. Du coup, cette journée, j'avais promis aux jeunes que je vais appeler Mayotte Première pour filmer leurs activités, car ils se plaignent toujours que nous, on ne passe jamais à la télé, Ces semaines au centre de loisirs ont été fructueuses. Tous ces sujets ont été abordés avec pédagogie, permettant aux jeunes de devenir de futurs éco-citoyens.